Et nous sommes de retour. Je parle toujours par russe. On est de retour. On a dit qu'on se baladerait là. Je crois. On l'a déjà fait. Mine de tellure. On peut faire un tour à la mine de tellure. Je sais plus. Non, mais chut. Donc c'était un peu baladé. Je crois qu'on va devoir un peu avancer dans les histoires principales. Oh. Pourquoi il y a un point d'interrogation? C'est une cache? Je crois que la map elle est aussi buggée. Hein, de temps en temps. Je vais être honnête, je suis quasiment sûr que la map elle est buggée aussi un peu. Donc on va se balader un peu encore. Voir ce qu'on peut combattre et tout ça, voir si on ne trouve pas des petits trucs. Mais je crois qu'on va devoir quand même... On va quand même devoir avancer dans l'histoire principale. Parce qu'il y a ça, bison cerné. Donc comme j'ai dit, je voudrais vraiment avoir les animaux. Je crois qu'il faut 9 ou 10. Donc en gros, il faudrait déjà 2 niveaux pour aller à 10. On a un livre. Mais 2 niveaux... Je sais même pas si elle prend un niveau, je pense même pas à coût d'amélioration 4. Ouais, 4, ouais, 4 ça passe. À la limite, 4 ça passe. Ouais, faudrait lui prendre un niveau, mais je crois qu'on va devoir aller... faire quelque chose, le traître. Allez, Alumi, Conti est capturé ou tué Liberty Buchanan. Je pense qu'on va devoir faire ça. Parce que se balader sur la map pendant des heures, c'est pas vraiment le top niveau rencontre aléatoire, c'est pas un Final Fantasy. Je sais pas comment ça se gère, ça. Faudrait que je regarde Internet, tiens, faudrait que je regarde Google. Je me demande si on n'a pas un certain nombre... Putain, tais-toi. Certain nombre de rencontres aléatoires par niveau ou un truc comme ça pour éviter de trop progresser, de récupérer trop de choses, de munitions et tout ça. Parce que si on pouvait farmer, littéralement farmer, genre tourner genre 3 heures sur la carte et avoir des combats toutes les 5 minutes, enfin on roulerait sur tout le jeu en fait. Donc je pense pas que ça fonctionne comme ça. Je crois que c'était au sud, c'est de la Yuma Camp. Ah, on devrait pas prendre Kwon avec nous pour le lèche-cul et gros dur. Allez, on va prendre Kwon avec nous, même si honnêtement, comme j'ai dit, hein, le... C'était quoi ça déjà, les familles guettes? C'était quoi ça? Ah oui, avec la fille là qui mange les doigts des gens là. Je crois que c'est ça. Les guettes. Ah mais les mecs ils sont bloqués là-dedans, d'accord. Ah, c'est trop chelou d'être bloqué comme ça. Ouais, on va prendre Kwon si jamais on a besoin de parler. Parce que là, on va parler normalement. Donc du coup, voilà. Mais bon, honnêtement, comme j'ai dit, je suis pas très fan. En combat, hein, je parle. Je préférais quand même garder le Lucien, mais bon. C'est là. C'est pas là du tout. Hop là.
Après, dans notre équipe principale, après, si on commence à perdre des gens, on n'aura plus de crochetage, on n'aura plus rien. Ça va être ultra relou. Donc j'espère qu'on commencera à perdre des gens vraiment très tard, où il n'y aura vraiment plus rien à faire, parce que sinon, sinon je vais pleurer. Est-ce qu'on doit soigner des gens? Non, ça va. Sinon je vais pleurer. Ah, on devrait pas prendre le mec bagarre. Ouais, mais attends, si on va dans un nouvel endroit, on va sûrement devoir faire du crochetage. Ah ouais, mais elle doit retrouver son père aussi. Oh là là. Ah, la merde. Le père de Lucia. Aïe, aïe. Hello again, Rangers. There is still injustice in the world, isn't there? Let's go. Je crois qu'on est un peu obligé d'utiliser elle parce que oui, il y a son père, quoi. Si on aura besoin de soigner. Par contre, est-ce qu'on a mieux que le M19? Parce que en fusil d'assaut, quand même, on a pas mal. Fusil d'assaut, oui, mais c'est énergie ça. Pistolet mitrailleur, on a ça. Calibre 45. Ouais, mais pistolet mitrailleur quoi. Bon, en tout cas, on peut mettre ça déjà, comme ça. On verra un peu. Ah, ça m'embête ça par contre. On verra. S'il faut, on n'a pas besoin de crochetage, hein, mais ce qui est un peu embêtant, c'est que ouais, il faudrait Lucia, parce qu'elle va sûrement avoir des conversations supplémentaires à donner, vu que on doit sauver son père. Et après, on a. Attends, on va faire une belle sauvegarde. Voilà. Et après, on a. On peut parler avec Kwon. Si jamais on doit forcer notre chemin avec la parole. On va voir. Si jamais il y a du crochetage, comme la dernière fois, là, genre qu'on était allé dans Elpen. Un truc comme ça, je me rappelle. Oh, je me rappelle plus du nom déjà. Tout en haut là, c'est avec la mission, une des missions principales. Si jamais on voit du crochetage de tous les côtés, on va prendre Jody avec nous. Après, je suis en train de me dire, on pourrait enlever Thunder, Zeus ou Fury. Hein. Enfin, peut-être pas Fury, mais. Enfin, après, ouais, si on enlève Thunder et Zeus, honnêtement, chaud quoi. Enfin, si on combat des robots, on est dans la merde. S'il n'y a pas de Zeus avec nous. Et. Et puis. Thunder, c'est un peu le tank de l'équipe, quoi. Si vous voulez dire l'équipe de Ranger Team November, qui êtes-vous? Vous avez accès à notre canal sécurisé. When you get to where you're going, gas up at the garage first. I'll find you there and give you the sit rep. But don't worry, you can't miss it. Je crois que je sais où c'est. Est-ce que vous rendre exactement? Comment vous contacter? MK1 out. Ok, ça marche.
Je crois savoir où c'est. Attends. Yuma County. Ah, c'est ça, c'est là? Je pense qu'il voulait dire dans la même zone en fait. Ah tiens, ça a changé la mission. Je pense qu'il veut dire ici, mais d'abord on doit aller gasoline quoi. Attends. Regarde. Parce qu'il n'y a pas eu de zone supplémentaire sur la carte. Donc d'abord on doit aller parler à quelqu'un. On va voir. ASAP. I'll have my bots tow your car inside before the gang spot it. Mm-hmm. Okay. You're the Desert Rangers, right? The ones the Patriarch made a deal with? Hey, good to see you. Been hoping you'd show up. Patriarch's got a lot he wants done here, and we ain't got a lot of time to do it. Now here's the deal. Liberty Buchanan is sitting not 200 yards from here in her compound as we speak. But the way things stand, it would take a tactical nuke to crowbar her out. Mm-hmm. She's managed to make herself the queen of these heathens, the scar collectors, the payassos, and the last few Dorseys. Even the goddamn godfishers are licking. D'accord, elle a tout le monde de son côté maintenant, fait ce qu'il reste. Now there ain't no way even a crew as tough as you could fight their way in and bring her out alive like the Patriarch wants. But I got a plan. Ouais, honnêtement, je pense qu'on peut attendre doucement aussi si on commençait par qui êtes-vous, bordel. I'm your fucking lifeline out here, assholes. So show me some respect. What a tool. I'm the mechanic. That means I fix things, right? For the gangs, it's cars, and they trust me because I fix them good. But my real job is fixing things for the Patriarch, like putting sand in the gas tank of Liberty's coupe before it gets on the road. Uh-huh. That's why he sent me out here. You get it? Can we get down to business now? Comment avez-vous réussi à survivre, Liberté, tu as la plupart des autres espions du Patriarche? Difficile à dire, si vous êtes si bon réparateur, pourquoi avez-vous besoin de nous? How do you think I gained her trust? Par tuer des gens. Vous avez une tentation vers une mort certaine pour assurer votre position, Seigneur. Hey, I'm willing to be the bad guy if that's what the job calls for. Are you? Waouh, le mec, il a envoyé des les autres espions à la mort, quoi. Genre, il les a vendus. Have I passed your little test? Waouh, c'est un putain d'enfoiré. Pourquoi avez-vous besoin de nous? Simple. If I get caught trying to sabotage things, how long is it gonna take the Patriarch to sneak another spy in here? Too long, that's how long. Liberty will already be knocking on his front door. But if you get caught, I'm still here, and the Patriarch can send another gang of expendable muscle heads to do the dirty work. Got it? C'est sympa de savoir ce que vous pensez de nous. Quel est votre plan? Bon, d'accord, nous sommes là pour obéir au Patriarche. Expliquez-nous le plan. Si vous pensez de nous, et vous faire foutre de notre propre plan. On ne travaille pas plus pour le Patriarche que pour Cordit. C'est mon propre plan. Quel est votre plan déjà? Okay. Listen, the gangs may be loyal to Liberty, but they hate each other's guts. All you need to do is get each gang thinking the others are screwing them somehow, and this place will go up like an ammo dump in a firestorm. Mm-hmm. The payasos and the godfishers are ready to go at each other's throats. They just need a little nudge. As for the scar collectors, they're as like to turn on themselves as they are on anyone else. What I'd do is talk to their slaves.
They've always got dirt on all the infighting. I got a key to the pen they're kept in as a gift. Take it. See what you can find. Maybe turn them against each other. Aucun renseignement pour que les infos qu'on parte. I can give you the broad strokes, but the nitty-gritty is up to you. Who do you want to know about? The scar collectors, the payat, the biggest of the gangs. Elle prend la place du patron et donc il y a beaucoup de conflits internes. Vous pourriez peut-être jouer là-dessus. D'accord, ça marche. Les payayos, ils perdent un bras hilarant, mais ils prennent une mouche quand les autres gangs leur manquent de respect. C'est sûrement pour ça qu'ils l'ont nommé chef. Personne ne fait le poids contre un tel clapet. Pêcheurs célestes. Les pêcheurs célestes, ils y pichent que dalle. Ils ont s'envolé jusqu'au nuage. Les autres gangs, au moins, on sait pourquoi ils nous tuent. Ils tueraient tous les autres pour faire le cerf-volant et iraient suivre le soleil couchant, d'accord. Les Dorsey, il ne reste plus grand chose à tenter avec quelque chose de stupide. Se trouve l'enclos des esclaves. Utilisez la clé pour passer à l'entrée de l'autre côté, sinon le gang vous rompt et partir en couille. Ok, ça marche. Ça marche. Follow the racetrack and listen. If you need any ammo, weapons or supplies, de quel côté le camp? Montrez-nous ce que vous avez. Alors, je vais être honnête, je pense qu'on peut rentrer et honnêtement tuer tout le monde. Genre, même si on se tape les 4 gangs plus Liberty en même temps, je suis à 100% certain que ça passe. Hein. 100% certain que ça passe. Donc, on y va. Mais là, il y a quand même énormément de différentes missions à faire. Donc, si on peut s'amuser à faire ça, autant faire durer le plaisir. Mais honnêtement, en fait, c'est ça le truc bien, c'est qu'on sait qu'on peut rentrer et défoncer tout le monde. C'est quasiment certain, c'est 99% certain qu'on peut défoncer tout le monde. Mais nous, on va s'amuser un peu. Attends, toi, tu vends des trucs de dernier cri, quoi, va rentrer. Alors, le cylindre UM, c'est bien. Poste de premier soin, recette de fabrication. Ouh, cool. Grenade à plasma, putain, c'est méga cher. Fil d'assaut SOCOM. Ah, ça y est, là, vous en faudrait un. Un deuxième, pardon. Alors, le briseur d'atomes, on a le javelin. Le javelin, on en a besoin aussi. L'incinérateur, on l'a. Le militaire, on l'a. Point de plasma, je pense pas qu'on en ait. Marteau à plasma. Alors, ce qui m'intéresse, ça serait... Est-ce qu'ils vendent des batteries? Non. Ce qui m'intéresse... Ah, c'est l'éventreur qu'on a besoin. C'est l'éventreur et le javelin qui m'intéresse. Putain, éliminateur. Un peu les dégâts. Ah, c'est chaud quand même. C'est chaud. Le Jackhammer. Fusil à canoncier. Canoman. 220. Ah, mais c'est trop... C'est trop cher. C'est trop cher. Fais voir un peu les missions qu'on a eues, parce que là on a eu beaucoup de trucs. Ouais, voilà, on a tout ça, donc on va s'amuser à les faire. Mais je pense qu'on pourrait s'amuser à tuer tout le monde aussi. Mais ouais, on gagnerait plus d'expérience à faire un peu de tout, je crois. Et après, on tuera tout le monde. Par contre, je veux sauvegarder, je veux voir un truc. Hope you're making progress, Rangers. Patriarch ain't paying us to sit around. Ouvrez le magasin. Ouais, on n'a pas assez de... Non. Je préfère attendre d'avoir beaucoup plus de Camelot pour tout vendre d'un coup. Parce que, du coup, ça augmente les chances d'avoir plus d'argent. J'en sais rien, en fait. Enfin, pas vraiment. Mais bon, on n'a pas beaucoup de Camelot. Bref, je préfère attendre. On s'en fout. En tout cas, pour les armes, donc il nous faudrait... Est-ce que toi, t'as des trucs intéressants? Enfin, surtout pour crafter. Ah, mais on peut pas les crafter! Il faut un Telo 10. Non, science intrange 10. Merde, j'avais oublié. Donc, on a le mitrailleur, ça, on pourrait le faire. Il faudrait science intrange 10. Le javelin, ouais, ça aussi. C'est intéressant. Canon à orbe. Alors, il nous faudrait le javelin. Je voudrais faire...
Le fouet plasma, on n'a pas le pack de batterie, ça on peut, on s'en fout. Le rayon gelant, on s'en fout aussi. Enfin, quoique, ça pourrait être intéressant, un rayon gelant. Ah putain, oui, c'est vrai qu'on a récupéré ce sniper, il faut qu'on regarde ce que c'est. Le tir, ouais, c'est ça, voilà, l'éventreur, on pourrait faire ça. Ah, l'éventreur, on peut le faire, c'est modification d'arme 10. Ah, on peut faire l'éventreur. Fais voir par contre le sniper qu'on a récupéré tout à l'heure. Enfin, il y a un petit moment même. C'est ça, le SR-2000. Le SR-2000. Pénétration plus haute, plus de frappe. Ouais, on peut mettre ça. Centre d'inertie, c'est nul. Centre d'inertie. L'assassin pourrait vous dire qu'il s'agit de son arme de prédilection, mais il devrait vous tuer ensuite. Tu tires quoi? Tu tires du 30-06, ça marche. Ouais. On n'a pas besoin de celui-là. Attendez, peut-être que si. Parce que je l'ai vu dans le... dans la fabrication, je crois. Ouais, mais c'était pour faire quoi? Une arme de froid, je crois. Ça. Ça tire quoi? Ça tire des cellules d'énergie. Est-ce que c'est bien, ça? Honnêtement, je sais pas. Je sais rien. Je sais pas. On a qu'à mettre des petits bonus quand même. Réussir de coup critique. Précision. Il y a combien de balles? T'as eu le chargeur 5? Ouais, 5 ça suffit. On lui met un plus 8 ou moins? Je vais voir les plus 8. Est-ce qu'on peut crafter les plus 8? Désolé, après on va s'amuser. Hein, mais là, c'est vrai que j'avoue que... Oh merde, ça s'appelait comment? Ça c'est dégâts plus 4. Ça c'est plus 8. Il nous faut les canons Columbium. Et là, c'est les canons alliage qu'il faut. 150, 87, 150. Donc ouais, on peut les crafter. Donc à la limite, on peut lui mettre un plus 8. Voilà. Est-ce qu'on augmente le chargeur? Je pense pas qu'on ait besoin d'augmenter le chargeur. 5 balles, c'est déjà ça. C'est déjà très bien 5 balles. 5 balles, c'est... Ah oui, c'est vrai que maintenant, elle peut tuer plusieurs personnes à la fois. Vas-y, on met ça. Vous savez, elle peut tirer plusieurs fois si elle est en Overwatch. Ok, let's go. Alors, ah oui, on a sauvegardé. Je voudrais tester... Alors, éventreur. Ok, let's go. Let's go. On va tester l'éventreur. Après, si c'est de la merde, je recharge la partie. Tir croisé. Ok, très bien. Hop. Voilà, je vais voir un peu. De toute façon, on n'a pas vraiment pu tester. Je sais pas, mais je pense que les dégâts ils sont trop bas en fait. Des pistolets mitrailleurs. Je suis honnêtement, pour moi, les pistolets mitrailleurs, les dégâts des pistolets mitrailleurs sont vraiment extrêmement trop bas. Ou alors il faudrait une précision à 100%, quoi.
Mais ouais, va avoir, amuse-toi à avoir une pression à 100%, quoi. Bon, lui, il a zéro conscience, j'avoue. J'avoue que ça aide pas. Mais ouais, non. Non, on va pas le crafter, hein, le truc. Aïe, aïe. Attends, faut elle qui avance en premier, qui ouvre les coffres, là, elle a plein de chance aussi. Je crois que ça augmente le, des fois le... Hop. Hé, à nous. Ouh. Merde, crochetage. Niveau 10. Alors... Alors, on va écrire ça. Crochetage. Circuit de Yuma. Voilà. Il y a un truc aussi qu'on pourrait faire. Enfin, là, si jamais je refais une fois le jeu. Donc, on a du Spectrum là. On a deux parties de Spectrum. Donc, je pense que Sentinel va se les coltiner. Je pense que c'est pas mal le Spectrum pour lui. Gros dur, t'as besoin encore de gros dur? Ouais, t'as besoin encore. Jambes de commando, non. Si, si, elles sont augmentées, celles-là. Il avait commando! Ouais, lui il avait full commando. Non, maintenant on a full spectrum. Je sais pas si on l'augmente, spectrum. Si on lui met des trucs. Résistance d'effet de statut 15%. On verra quand on aura un équipement complet. Ouais, on verra ça plus tard. Caisse d'armes aussi, je l'avais pas vu. Incinérateur. Cool. Incinérateur, c'est ce qu'elle a Thunder, c'est ça? Yes, très bon truc. Ouais, on verra quand on aura full spectrum. On augmentera peut-être. Parce que là, on va être en moment de transition. On va sûrement trouver des bonnes armes et tout ça. Rangers, this is Ironclad Cordite. Your radio man tells me you went to Yuma without me. That wasn't the deal. You were going to help me reclaim leadership of the Scar Collectors, as is my destiny, remember? Well, I guess I'll have to do that on my own, as usual. Adios, backstabbers. Next time I see you, I'll have all of Candace behind me. C'est vrai qu'on doit, aider lui. Oh là là. Mais là, on est bloqué, ou on peut repartir? Non, on peut repartir. J'en étais sûr qu'il fallait prendre Cordite aussi. Oh là là, les casse-burnes, quoi. Qu'est-ce qu'on fait? On va prendre Cordite pour voir un peu ce que ça fait comme histoire. Peut-être que Lucia, on peut la laisser de côté pour le moment. Parce que Lucia, son père, il doit sûrement, il doit sûrement être avec Fortune. Liberty, pardon. Avec Liberty. On peut partir comme ça. Non, me dis pas qu'on est bloqué. Ok, on peut pas toucher le camion. J'espère qu'on peut partir et aller récupérer Cordite. Bon, du coup, on prend Cordite et Madame Jody pour le crochetage.
Ah putain, je suis bloqué. Attends, peut-être que si je touche le camion sans sortir du garage. Sinon, je regarde si on peut pas charger une partie avant. Aïe aïe aïe, putain, c'est relou. Parce que moi, je voudrais faire le plus d'histoires possible, qu'on voit le plus de trucs. Si on voit que des combats et que c'est pour tuer tout le monde facilement, comme j'ai dit, bon, ça on peut le faire, hein, c'est pas compliqué. Hein, mais... Ok, ça a marché, je crois. Ça, il devrait nous le dire quand on rentre, je pense. Il devrait nous le dire, genre avant de rentrer dans la zone, du genre... Attention, vous avez ça qui se passe en ce moment, est-ce que vous voulez pas avoir Cordite avec vous? Cordite avait besoin, nous avait demandé de l'aider, ou des trucs comme ça. Ça serait vraiment pratique. Ce serait vraiment pratique de savoir ça. Comme ça, ça fait un rappel, et puis voilà, quoi. Parce que des fois, c'est un peu compliqué de se rappeler. Donc, comme je disais, Lucia, je pense que son père, il doit être avec Fort Liberty. Putain, j'ai du mal. Donc, ça sera sûrement plus tard. Donc, maintenant, on va sûrement se taper les clans, d'abord. Tiens, Jody, elle est là. Ready to roll, Rangers. You bet. Ready when you are. Ah, très bien. Donc, du coup, je pense que, d'abord, ça va être tous les clans. Avant tout ça. Donc on a le temps. Et après, comme j'ai dit, on pourrait virer Zeus et Thunder. Mais... Il y a elle aussi. Je sais pas où il est, Cordite. J'espère qu'il est pas parti déjà. On peut pas lui parler directement, lui faire le tour dans le temps. Hein. Oh, non! I'll be here. Il est déjà parti. Aïe 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 aïe. Ça, c'est peut-être quand on est rentré dans la zone. Ah, désolé, hein, mais c'est vrai que c'est un peu embêtant ça. Ah putain, mais quand on rentre dans la zone, il nous attrape direct l'autre. Ah non, c'est mort. Fais voir. Est-ce qu'on a une sauvegarde avant? Parce qu'avant, on n'a pas fait grand-chose, honnêtement, à part tourner en rond. On a fait du combat. On n'a même pas fait de combat, hein. Depuis le début, là. Ouais, ça c'est quand on était sur le chemin. Bon, par contre, faut qu'on change l'arme. Après, ça, c'est un truc aussi, toutes ces habilités. Alors, moi, c'est comme ça que je tente deux choses pareil, je crois. C'est les gens, en fait, qui se rajoutent à nous, où je mets, genre, les utilitaires, c'est-à-dire, genre, crochetage, grippe, hein, des conneries comme ça. Mais j'avoue... Par contre, je sens qu'on va pas avoir les mêmes armes et tout ça, et les mêmes armures là. Putain, ça va me saouler. C'est chiant parce qu'on avait du Spectrum. Enfin bref, c'est pas grave, on s'en fout. Rangers, good to see you. Sure thing. Let's have a look. There you go. Anything else? I'll be here. Voilà. Je voulais dire que. Tout crochetage et tout ça, c'est vrai que si on l'avait dans l'équipe. Genre dans les 4, on n'aurait pas de problème, j'avoue. Mais bon, c'est un peu compliqué. Alors, commandement survie mécanique, exposition, c'est étrange.
deux trucs, donc on a ça, ça. Est-ce qu'on avait quoi comme type de... Je crois qu'on avait une... Non, on n'avait pas le gant à plasma, là, ou un truc comme ça. Ça, je crois qu'on pouvait le crafter ou l'acheter. Non, on pouvait l'acheter, mais on l'a pas. Donc, pour l'instant, tu restes avec ça. Là, les 15 points, je sais pas. Pour l'instant, j'en sais rien. On sait strictement rien. C'est bon? On peut partir ou merde? Time to take some chances and expand man's horizon. Mais ouais, c'est vrai que ça, il faudrait quoi? Il y a crochetage, déminage. Alors déminage, ça peut être bien aussi pour le combat, donc ça va. Alors les trucs qui sont genre inutiles en combat, il y a crochetage. Il y a gros dur, ça fait 2. Il y a lèche-cul, ça fait 3. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Grippin. Avec grippin, il y a un peu de combat hein, quand même dedans. Donc à la limite, c'est pas si nul. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, le crochetage c'est joli. Bagarre, il amène rien. Le Kwon, il amène donc lèche-cul et gros dur. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc ouais, non au final, ouais c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose, j'avoue que peut-être que ces skills là, bah, si jamais je refais le jeu, on pourrait les avoir dans l'équipe principale, comme ça on serait pas dépendant d'autres. Par contre il faudrait à chaque fois refaire les persos là qui viennent avec nous, parce qu'il y en a qui ont crochetage et tout ça. Alors on va zapper un peu les conversations, sauf si il y a quelque chose de nouveau avec Cordit. Et on va faire un... What? Who you working for, Rangers? If it ain't the patriarch, then we got a problem. You side with this fool and you make an enemy of me. Kill him here and now. Or we go our separate ways. Désolé, quand on veut entendre ce qu'il a à dire. Then, I'm out. Ah ouais, carrément, vieux. Had me worried there, Rangers. Thought you decided to back that rabid animal against the patriarch. Glad I was wrong. Liberty Buchanan is... Now there ain't no way even a crew as tough as you. Nobody took. I'm the mechanic. Je peux pas charger la partie. Merde, ça marche la charge rapide si on va dans le menu. Merde. Oupsie. Peut-être pas. Donc qu'est-ce qu'on fait avec Cordit? Si on se met avec Cordit, le mec il va prendre possession des clans. Et après on se met contre le patriarche. Oh là là, c'est compliqué. Oh, je sais pas quoi faire. Parce que si on se met avec Cordit, du coup, on n'aura pas les missions de l'autre. Parce qu'il y avait plein de missions qui nous donnaient. On va voir. Oh là là. La prise de tête.
Désolé, cet épisode, c'est épisode prise de tête. Il va falloir faire un choix, je sais. Alors pour l'instant, on regarde un peu les différents choix qu'on peut faire, puis après, je ferai un choix. Je vais réfléchir. Je sens qu'on va peut-être se mettre avec Cordite, puis je sais pas. On va voir ce que ça donne. Parce que là, avec lui, on perd quoi? On perd le magasin, c'est ça, un peu chiant. You side with this fool, and you make fucking idiots. You don't know who you're messing with. Security, engage. Knock yourselves out. Va voir. In Reagan's name. Pas mal. Tourelle. Faut tuer surtout les bombardiers, évidemment. Ah, ils ont pas de vie, normalement elle devrait les défoncer. J'ai pas besoin de faire ça, si. Mais voilà. C'est ce que je pensais. Je vois un peu ça. À rester à cocotte minute. Mais c'est nul! Je devrais pas la mettre là, ils vont exploser après le prochain tour. Bref, merde. Non, non, non. J'ai fait n'importe quoi. Je voulais faire ça et après la foudre. Encore heureux que ça fait pas de dégâts. Oh là là. N'importe quoi. N'importe quoi. Bon, ça devrait aller. Putain. Ça va, la résister. Après, si on veut défoncer le patriarche, on va devoir faire un choix. Ah, ça a pas pété son truc. Très bien. Ça, c'est explosif. Normalement, je devrais faire plus de dégâts.
Ah, quoique, attends, je peux faire ça aussi. Voilà, très bien. Fusil à pompe, ou alors il y a ça. Quel bordel. C'est la merde, on est mal placé, ça me gave. Ah, ça me prend la tête avec ces machins là. Ça va tout péter. Ça va foutre la merde. On va voir. Merde. Voilà. Bon bah ça va. Sentinelle, non, il est à terre. Quand t'as pas de portée, ça aide quasiment personne en fait. Sans déconner. Ah ouais, non, quand t'as vraiment pas de portée, c'est la merde. Juste l'écraser. Nickel. Nickel. Il ne reste plus que ça. J'ai eu les critiques, c'est bien. Allez, qu'on en finisse. Bargain, Rangers. I won't forget. Now for what comes next. If you want to get to Liberty Buchanan, I have to be boss of the Scar Collectors. That means challenging Steel Trap to a duel. The first step is letting him know I'm here. Let's head to their camp. The most logical spot is north around the racetrack. And don't worry, the guards will let you in when they see you with me. I know he was an asshole, but he worked for the Patriarch. And
What the hell? J'avoue que c'est chaud. J'avoue que c'est chaud. Ah, c'est nul. Oh là là, c'est de la merde. Faut sauvegarder et recharger quand on fait ça. Oh la vache! Oh, comment c'est de la merde ce qu'on a récupéré? On a un sniper qu'on a déjà, on a un gantelet de merde, on a le casse assisté qu'on a déjà. C'est magnifique. Magnifique. Je vois bien avoir les jambes d'exosquelette là, parce que ça aussi ça me fait chier. Qu'est-ce qu'on fait? Quelqu'un a monté de niveau ou pas? Si. Alors, là du coup, l'un d'entre nous, Cordy, dit devoir affronter en duel Gueule d'Acier, le chef actuel des collectionneurs de cicatrices, pour reprendre le contrôle. Il faut d'abord nous rendre au camp. Prouver à Gueule d'Acier que les Rangers sont assez tarés pour travailler avec des gangs. Avec les gangs. Alors, on avait plein d'équipes, enfin plein de missions où on les lançait les uns contre les autres. Putain, on avait un magasin. Je vais voir un peu. Merde, c'est la sauvegarde rapide. Je crois. Moi, par contre, c'est les coffres. Hein. Les coffres de merde là qu'on vient d'ouvrir. Oh là là. Oh putain, qu'est-ce que ça me. Ah, j'aurais dû sauvegarder avant quoi. Je suis pas d'humeur. Enfin, je suis pas du style à charger pour avoir genre la partie parfaite. Genre le truc parfait. Ah! Ah nickel, ça a sauvegardé là. Je vais voir un peu. Attends. Bon, ça change pas. Mais j'avoue que le coup des armes, je suis un peu deg. D'accord, c'est pas du tout ça que je voulais faire. J'étais plus en équipe, c'est pour ça que c'était rouge. J'ai pas fait attention. J'avoue que je suis pas de fait de vouloir charger, c'est genre Fallout 4 et tout, c'était pareil, je chargeais pas en fait si ça partait en couille et tout. Et là, pareil, on n'a jamais vraiment chargé de partie, enfin peut-être une ou deux fois pour faire des tests, mais c'est tout quoi. Mais là, j'avoue que ce qu'on a récupéré, c'était vraiment de la merde comparé à ce qu'on a récupéré avant. Donc là, si on n'a plus le magasin, je voudrais quand même avoir quelques trucs de bien. Ouais, enfin une partie d'armure Spectrum, c'est déjà ça. Ça. Ouais, non, honnêtement, j'aurais préféré avoir autre chose parce que le pistolet mitrailleur, comme on l'a testé, c'était de la merde. Ouais, c'est pas énorme. Les ventreurs, c'est un peu de la merde en fait. Comme j'ai dit, hein, le fait de. Ouais, non, le fusil d'assaut est quand même nettement mieux. On va recharger encore la partie, on va voir, on va tester. De toute façon, je vais devoir faire une pause bientôt, dans une dizaine de minutes. Donc autant passer de temps. Bon, on valide ça, on valide ce qu'on a fait. On se met du côté de Cordit. Et du coup, on va foutre le bordel. Et putain, on n'a pas le marchand avec des super trucs de fin aussi. On ne peut pas acheter le javelin et tout ça. Va falloir vraiment... J'espère vraiment qu'on va trouver des trucs, hein. Il nous faut le javelin. Il nous faut. Il nous faut des trucs, quoi.
Bon voilà, là on a deux parties du spectrum, c'est déjà bien. Ouais, le gantelet c'est de la merde. Bon, allez, on sauvegarde. J'aurais dû sauvegarder avant d'ouvrir le coffre. C'est de la merde. Et là c'est de la miaule, on s'en fout. C'est quoi? Attends, on va sauvegarder. Je recharge. Maintenant je suis curieux. Je voudrais bien avoir une des dernières armes, là, niveau 24 là. Mais je voudrais pas avoir le... Ah putain, je crois que c'est le coffre d'armes en fait. C'est pas le coffre fort, c'est le coffre d'armes. Qui a l'arme. Qui est censé avoir l'arme et on l'a déjà ouvert, c'est pas grave. Bon, après on a deux parties de spectrum, honnêtement ça me va. Ça me va, c'est pas grave. Ah. Attends, briseur d'atomes. Non, là, ça, non? Ça me dit quelque chose. Ah non, c'est le truc qu'on pouvait acheter. Je crois. Mais c'est quoi? C'est un fusil d'assaut à énergie. Un fusil d'assaut à énergie. Il est joli. Bon, allez, ça me va. Parce qu'on n'a pas le marchand, hein, donc hein, cette arme particulière fonctionne en déclenchant des réactions de fusion à l'intérieur du corps de ses cibles. Hein, je vais répéter encore ça, on n'a plus le marchand, donc autant avoir, avoir des petites choses bien. Voilà, on a rechargé un peu la partie. Voilà. Je sais pas si ça vaut le coup. Comme j'ai dit, les armes à énergie, c'est pas le top en fait. Enfin, pour Sentinelle, je parle. On va juste le garder, ça. Par contre, t'as ça, ça me fait chier. Là. Faudrait une trousse. Il me faut... trousse de secours. Voilà. Hop. Tout le monde est bon. Ah oui, c'est toi, ta tribu. Hop. Non, ça va pas marcher. Hop. Toujours pas, et toujours pas. Parce qu'à un moment ou à un autre, de toute façon, il va falloir prendre un camp. Autant travailler avec Cordite, vu qu'il veut travailler contre le patriarche. Autant faire ça, maintenant. Vous voyez ce que je veux dire? Et après on verra. Ça a l'air d'être une super grande zone. Ah putain, mais on a la map. Ah, on a la carte parce que... parce qu'on a survie 10, peut-être. Ça va être chiant, par contre, pour savoir où on est allé. L'alarme qui vient de sonner. C'est quoi ça déjà? Bonus de dégâts de mêlée. Ouais, super. On va prendre ça. Bon de détection, on s'en fout un peu. On va reprendre ça. Voilà, nickel. Ouh. Ouais, ça c'est... Tu le sens là, que c'est une zone de fin quand même. Tu le sens bien. Okay, c'est pour partir. Je regarde s'il n'y a pas des endroits à chercher. Non, on peut pas aller là. Ok, on va avancer encore un tout petit peu, mais moi je dois m'arrêter dans une dizaine de minutes. Oh, bonjour. Taleux le clown. Ah, maybe you momons can help us out. You see, the godfishes were traveling this way with some fresh kite-making materials, but they ran into some giant bisons and they kind of got them trapped.
We don't give a wet fart about the Godfishers. Oh, but they're poor slaves. Their plight has touched our hearts, and we want to, liberate them. If you take care of the bison, we'll grab the meat stickers, victims, and our boss, Risky Brisket, will give you something cool for your trouble, huh? She's down at Meat Clown, near the Godfisher Shrine. Pourquoi vous faites-vous pas? Who, me? No, Jingas! Oh, I mean, bison give me hives. It's okay. A real problem. Tu as vraiment intention de faire avec les esclaves? Allez, on va jeter un coup d'œil. Somehow, I'm having trouble trusting this clown's music. We'll eat like kings! C'est les cannibales, on a compris. C'est des bons cannibales. Bon, moi c'est des bisons méchants quoi. On n'a pas besoin de... Ah ta gueule! On n'a pas besoin d'avoir Animal 10 ou des trucs comme ça. $4,700, bien joué. Un peu ce que comment ça fait. Ah ouais. Ah ouais, les effets c'est stylé. Bon, c'est moins 30% sur les animaux mais c'est assez stylé, j'avoue. Bon, de toute façon, lui il peut pas bouger. Oh là là, le 800. Ah, j'avoue, hein. On a bien fait d'augmenter ses habiletés de survie et tout ça. Je crois qu'on va tuer ces clowns après, les idiots là. Jody, vas-y, finis-le. Nice work, cabros. We'll take those slaves down to Meat Clown and fatten them up. Oh, I give them a good meal. je sais pas. Tenez ce que vous avez promis. Meet our boss down at Meat Clown and she'll hook you up. You can't miss it. It's right on the way to the Godfisher Shrine. Ah, c'est sûrement un guet-apens. Thanks for the help. You're real humanitarians. My assholes, let's corral those poor tender coderos. Time to go, Pastelitos. Should have asked for more. Ouais, je suis pas très content avec ce qui s'est passé. Ouais, j'ai encore une quinzaine de minutes. On va refaire le combat. Et on va leur dire non, qu'on les libère. Parce que c'est... je pensais vraiment qu'il allait y avoir un truc intéressant à faire, mais en fait, non. No ribs, no cabeza, no... Wait, we're talking about bison, right? C'est la mauvaise arme! Merde.
Qu'est-ce que c'est qui tire? Putain, j'avais appuyé sur lui, bordel de merde. C'est deux, hein. Ouais. Ah, cette fois on lui a pas... Merde alors. Oh. On verra bien ce qui se passe. Ah, on se défonce. Voilà, très bien. Nickel. I'm starving. Nice work, cabrones. We'll take those slaves down to Meat Clown and hey, we tell the jokes around here, pendejos. And if you ain't joking, then you're dead. The payasos don't stand for no funny business, comprende? Oh putain, fais chier! Now you see, Mamones. You'll see what you get when you mess with the payasos! Faudrait gros dur. Merde. Ça commence à me gaver. Légèrement à me saouler. Vous me faites tout chier. Voilà. Donc là, je viens de capter parce qu'on a beaucoup de mêlées. Et du coup, bah, ils vont pas pouvoir attaquer. Ah, bah alors ça, c'est encore bien joué. Ça, bien joué. Putain, j'en ai marre d'être con. J'en ai un peu marre d'être con. Putain de baf. Je sais pas trop quoi penser de ce qu'on est en train de faire là. Ah, bien joué. Yes, bien joué, bien joué, bien joué. Je fais que de la merde.
What? Je voulais réanimer Jody, moi. Ouais. Comme j'ai dit, un gros dur, ça pourrait être utile, là. Strangers, now, cast your sacrifices into the skies, brothers and sisters, and verily the clouds shall part, and the earth will be born again. Je suis en train de me demander, est-ce que on n'aurait pas dû avoir Quan pour le gros dur là. Oh là là, ça fout. Ça va rendre. Je pense qu'on va avoir un endroit de merde. Où on va devoir avoir des trucs. Parce que lui, on pourrait pas lui mettre gros dur à la limite. Je suis en train de me demander. De toute façon, lui il est fini quoi, il n'y a pas besoin de faire autre chose. Trop dur. Ah, c'est que niveau 7. C'est niveau 8-9 ici. J'en sais rien, j'en sais strictement rien en fait de quoi faire. Ça m'embête en fait, parce que je voudrais bien voir ce qui se passe et tout. J'ai peur qu'on rencontre plein de gens où il faut gros dur. Cordite, il sert à rien à part combattre. Qu'est-ce qu'on a qui fait gros dur? Je sais que Quan et Lamna... marchandage. Y a pas un casque qui faisait gros dur, mais je crois que quelqu'un là, non? Y a pas quelqu'un avec un en gros dur? C'est elle. Elle a quoi elle? Ah c'est ça en fait. Gros dur 1. Parce que ça nous sert à rien si c'est niveau 6 qu'il faut à chaque fois du 8-9, ça sert strictement à rien. Sauvegarder. Parce que moi dans ma tête c'est que si jamais on leur aurait fait peur avec en gros dur, en leur gueulant dessus, peut-être qu'ils seraient allés à leur camp et quelque chose se serait débloqué, vous voyez ce que je veux dire? Après, s'il faut du crochetage tout le temps et qu'on n'a pas de Jody avec nous, honnêtement ça va nous faire chier. Cordite on peut pas l'enlever parce que du coup on s'est rallié à Cordite. Donc voilà, sinon on va être tout seul. Et bon, je voudrais bien voir un peu ce qu'on peut débloquer avec Cordite. Vous voyez, donc c'est un peu compliqué. Et s'il y a du crochetage partout, il va falloir revenir. Ou alors on va pas pouvoir faire grand chose.
J'ai sauvegardé, je viens de sauvegarder. Attends, je vais faire un truc avant de partir. Fais voir un peu. Est-ce qu'on n'enlèverait pas Zeus de l'équipe et on prend quoi? On peut prendre quoi? On peut faire ça ou pas? Je sais plus si on peut faire ça. Ce qu'ils disent maximum c'est 4 rangers, mais ça veut pas dire qu'on ait besoin d'avoir les 4 rangers, on est d'accord? Ok, je vais voir. Parce qu'à la limite, Zeus, on l'enlève. Bon, du coup, on luttera un peu sur les robots, mais c'est pas grave, hein. On fera avec. Et sinon... déjà à peu près 3 minutes. Sinon, je sais pas. Là, ça serait bien. Thunder, on va pas l'enlever, parce que Thunder, elle est trop importante, en fait. Je me vois mal jouer sans Thunder en fait, parce que elle prend trop de coups, enfin elle fait trop le tank, elle est vachement utile pour ça, donc non, ça serait trop la merde. Après Lucia elle est très bonne aussi, hein, mais ça serait trop la merde, parce que là jouer avec deux mêlées, j'avoue que c'est un peu pourri quoi, Cordite et Jody là, j'avoue que c'est un peu casse-couille. Parce que pour le moment, Zeus, à part les véhicules, tout ça, il fait pas grand chose. Quoi. Rangers, good to see you. Sure thing. Let's have a look. Retirer. There you go. On peut faire ça. I'll be here. On peut faire ça. Dur à fond, lèche-cul à fond. Pistolet mitrailleur. Je vais voir 42-51, ce serait qu'un. Non, on va le garder sur lui. Il nous faudrait un autre SOCOM, là, ça là. Fille d'assaut de SOCOM. Ça, c'est un peu faiblard en fait. Voire très faiblard, mais bon, maintenant on a le pistolet mitrailleur comme ça, à la limite on utilisera ça. Bon, du coup on va jouer comme ça. Pour la prochaine fois, on y retourne. Oh, on peut plus faire les modifications sur les armes, c'est pas très grave. On perd quoi avec Zeus? Modifications sur les armes, mécanique, oh putain, ah ouais, on perd toute la mécanique et le hack. Oh la vache, ok, ça va être chaud. Ça va être un peu casse-couille quoi. Lui il faudrait qu'il ait gros dur à la limite. Pour qu'il soit utile. Allez. On valide. Je sais pas si on doit se soigner. Non, je pense pas. On valide. On va se mettre là. On valide. On part avec ces trois là. Les combats vont être un peu plus compliqués. Mais on a toujours Thunder pour sauver l'histoire. Et Fury et tout ça. Donc ça va. Allez, à la prochaine. Portez-vous bien. Et j'espère qu'on fera pas de la merde. Si jamais il y a beaucoup de choses à faire, des conversions qui passent pas ou de la mécanique à faire et tout ça... On fera des allers-retours, on fera que des allers-retours, je m'en fous. Moi, je veux... Parce que là, on est à la dernière ligne droite du jeu, et je veux pas louper des choses. Je veux pas louper des choses, je voudrais faire le plus possible. Là, déjà, on s'est allié avec Cordite, donc ça veut dire qu'on va plus pouvoir faire des missions avec le patriarche et tout, ou le magasin là qu'on a débloqué. Enfin, qu'on avait débloqué, le mec, là, le mécanicien. Donc ça fait déjà, ça me fait un peu chier, mais on a choisi de faire Cordite. Donc, let's go Cordite. Voilà. À la prochaine. Ciao, ciao.